mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour écouter J.K. Bell ce soir. Alors, je vais, pour présenter cette soirée, vous donner quelques éléments sur l'action que nous conduisons comme libraire. Alors, c'est vrai que libraire a un rôle, la librairie a un rôle important comme diffuseur des livres, mais aussi diffusion d'un contenu et des savoirs. Et nous avons eu la chance à l'automne d'accueillir Gilles Kepel comme grand témoin d'une action collective que nous menons avec les libraires de l'Est parisien, Librest. Cette librairie sur un périmètre assez restreint. Nous avons créé un festival qui s'appelle le Festival Esprit Libre, qui est un festival de sciences humaines. Et la dernière édition a eu lieu à un moment assez important, puisque c'était le week-end qui précédait la tragédie qui nous vaut cette soirée de ce soir. C'était le week-end qui précédait. Nous avions une manifestation sur deux jours qui avait pour thème les frontières, dont Gilles Kepel était le grand témoin, qui a rassemblé une quarantaine de chercheurs de tous horizons, géographes, historiens, politologues, sociologues. Et c'est vrai que ça a été pour nous un choc d'autant plus fort de constater qu'au cœur même de la région, des quartiers dans lesquels nous exerçons notre métier, a pu avoir lieu une tragédie de cette ampleur. Donc c'est pour nous très important d'accueillir et que Gilles Kepel ait accepté de nouveau notre invitation pour nous éclairer encore un petit peu plus sur ces événements et sur leur genèse. Alors j'ai ce soir comme complice et comme métier que je qualifierais de frère de la librairie Alexis Lacroix, qui est le directeur adjoint de la rédaction des pages culture de Marianne. C'est un grand plaisir de te recevoir ce soir aussi, Alexis, pour ce travail qui est le tien et qui fait que nous nous croisons régulièrement au CNL et dans quelques festivals, dans le Festival américain. Et je suis certain que cette lecture va apporter un nombre de questions qui vont nous permettre d'avancer un petit peu sur le sujet. Alors c'est vrai qu'en ce moment, au moment où Johnny Hallyday chante « Place de la République », c'est à toi, Alexis, qu'il incombe de présenter l'auteur et son œuvre. Alors là, je suis sûr de rater mes effets, parce qu'avec une telle comparaison, on n'y arrivera jamais. Merci en tout cas beaucoup, Pascal. Merci au théâtre qui nous accueille. Merci aussi à Librest, bien sûr. Alors je vais me présenter de manière très succincte, Gilles Kepel, que vous connaissez tous de toute façon. Vous connaissez ses principaux travaux. Vous savez qu'il est professeur à Sciences Po, qu'il anime aussi une chaire à l'École normale supérieure sur violence et dogme, une chaire dans laquelle vous développez un centre de thèse qu'on va retrouver dans votre nouveau livre. Peut-être reparcourir aussi très rapidement avec vous, chers amis, les 30-35 années d'activité intellectuelle de Gilles Kepel. Il avait déjà marqué les esprits avant 30 ans avec un livre qui annonçait une partie, il faut bien dire, de ce qui arrive aujourd'hui dans les territoires perdus de la République, qui s'appelait « Banlieue de l'islam ». Vous y montriez déjà, Gilles, le développement, à l'époque pas encore foudroyant, d'un salafisme dans ce qu'on n'appelait pas encore les territoires perdus de la République. Puis plus récemment, vous avez approfondi ce diagnostic, il faut bien dire, assez pessimiste, assez déceptif, dans plusieurs livres qui ont justement marqué le débat, qui ont été aussi l'occasion de rencontres en librairie. Passion française, bien sûr, un livre important sur ce sujet. 93 aussi, qui était consacré plus exclusivement à un territoire précis, un département précis de l'espace francilien. Et puis aussi un livre qui accompagnait ces deux démarches et qui essaie de resituer le salafisme dans la révolution arabe, pour ce qu'on a appelé plus largement la révolution arabe, un livre né d'entretien, d'ailleurs, que vous avez lu aux quatre coins du monde arabe, et qui s'appelait « Passion arabe », qui a recueilli aussi un grand écho. Alors, au terme d'une année, l'année 2015, dont nous sommes sortis avec beaucoup de soulagement, et qui a été marqué par un crescendo de violences djihadistes, vous avez décidé de publier un livre qui, je l'espère, tiendra mieux que Passion arabe sur notre table quand nous allons le montrer. Ce livre, vous l'avez compris, bien sûr, il s'appelle « Terreur dans l'Hexagone » et vous essayez d'y analyser les ressorts de ce que vous appelez le terrorisme ou le djihadisme de troisième génération. Alors avant de vous demander quelles sont vos conclusions, parce qu'on les attend avec beaucoup d'impatience,
comprendre aussi ce qui nous arrive, Gilles, je vais permettre de lire juste un extrait de ce livre, très court, mais qui nous mettra dans l'atmosphère, justement, de votre réflexion. Vous écrivez, outre l'effroi qu'elle suscite, la terreur que l'année 2015 a poussée à son paroxysme est en effet destinée à ensauvager la société mécréante, jusqu'à ce qu'elle s'effondre dans une guerre civile entre enclaves communautarisées. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé de donner à votre livre, à votre nouveau livre, ce titre qui, il faut bien dire, fait un peu froid dans le dos et qui est le titre de Terreur dans l'Hexagone? Merci à tous deux, merci à toutes et à tous aussi d'être là par ce soir glacial. Il fait déjà très froid. Je voudrais, avant de vous répondre, Alexis, vous remercier pour votre question, remercier les libraires. C'est très important pour nous qui publions des livres en général, et en sciences humaines en particulier, d'avoir le soutien des libraires, parce que il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des livres qui sont plus difficiles à faire passer, et Alexis, vous l'avez rappelé, ces 5 dernières années, je me suis beaucoup investi avec le soutien de l'Institut Montaigne dans un certain nombre d'enquêtes sur les quartiers populaires, que ce soit l'année que j'ai passée à Clichy-Montfermeil, en 2010, 5 ans après les émeutes, pour essayer de faire une sorte de biopsie du phénomène des émeutes de 2005, pour les comprendre, 93, que vous avez évoqué, Passion française, des livres qui ont eu beaucoup de mal à rencontrer leur public, la presse, parce que, au fond, on préférait ne pas voir ce qui se passait là-bas. C'était mieux d'oublier tout ça, penser que ça ne se produirait pas, et de toute façon, les Cassandre, Képéloïde, qui restent dans leur université, etc. Et puis là, 2015, rend impossible cette démarche, cette d'autruche, d'une certaine manière. Ce qui fait que aujourd'hui, ce livre-ci a rencontré, bien sûr, un public assez vaste, tout à fait incroyable pour ce type d'ouvrage, du reste. Et donc, je suis heureux de pouvoir rendre aux libraires ce qu'ils ont acquis. Donc, il y a une dimension vertueuse là-dedans, et je vous remercie beaucoup de votre soutien, en particulier l'Ivresse. Vous l'avez rappelé, d'autant plus que vous êtes au cœur des quartiers qui ont été ciblés par Daesh, ou comme on l'appelle, Daesh, au mois de novembre. Mais on peut d'ailleurs se féliciter des chiffres du livre, hein, puisque j'en parlais, d'ailleurs je le remercie vivement au passage avec Jean-Charles Grunstein de chez Gallimard, mais le livre a atteint 110 000 exemplaires de tirage, ce qui est considérable pour un livre de sciences humaines, d'autant plus pour un livre aussi sérieux. Et on l'a vu, nous, dans ces 2 semaines qui précédaient Noël, hein, puisque le livre a été avancé, la date de sortie du livre a été avancée au 16 décembre, et ça a été immédiat. Oui, d'une certaine façon, c'est un autre sujet qui met en même temps, je crois qu'il y a, si vous m'avez demandé mes conclusions, je préférais d'abord vous donner mes hypothèses, parce que les conclusions en sciences humaines, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'on a au moins 50% de chances de se tromper. Vous avez raison, commençons par le commencement, les hypothèses d'abord. Et je crois qu'il y a, j'étais là, je sors frigorifié, c'est pour ça que vous m'avez m'alcoolisé chaud tout à l'heure. Je viens de passer une heure à la République dans le studio sous une tente de BFM non chauffée, et à la stupéfaction générale, il n'y avait personne place de la République. Mais pourquoi? Parce que je crois que notre société n'est pas dans la commémoration, et elle met en doute ceux qui sont les architectes de la commémoration, les spéculateurs de la commémoration, je crois. En revanche, bien sûr, elle est dans l'action, et c'est pourquoi ce livre n'est pas du tout pessimiste, contrairement à ce que certains disent. C'est un livre qui est réaliste, qui est analytique, et qui essaye d'expliquer. Alors, on m'a rapporté que un des plus hauts responsables de notre gouvernement aurait dit aujourd'hui « expliquer, c'est déjà excuser ». Si ces paroles sont exactes, c'est effarant. C'est absolument effarant.
parce que expliquer, ça n'est pas du tout expliquer, ce n'est pas du tout excuser. Bon. Expliquer, c'est en fait comprendre. Et comprendre, c'est ce qui est nécessaire pour l'action. Alors justement, on ne va pas polémiquer forcément avec ce haut membre du gouvernement, hein, qui peut être reconnu par vos auditeurs. Un mot peut-être de la démarche analytique, justement, de vos hypothèses. Une de vos hypothèses, centrale dans le livre, je la résume et vous allez ensuite, bien sûr, vous la développer à Pascal et moi et à nos auditeurs, c'est qu'il y a eu, en 2005, un tournant dans l'infiltration de la société française par le djihadisme, un tournant que vous référez à l'émergence d'une troisième génération de djihadistes, en l'occurrence pas liés à Al-Qaïda, mais en revanche ils ont eu un théoricien qui est extérieur bien sûr au paysage français, mais qui a exercé sur les djihadistes français et les recrues potentielles une influence intellectuelle décisive. C'est un homme qui est un syro-espagnol du nom de Abou Moussab al-Souri. Vous référez notamment à son texte fondateur, ou pour aller très très vite, mais il développe l'idée que désormais, le djihadisme, pour être réellement efficace, doit fonctionner de manière non pyramidale, mais horizontale, c'est-à-dire d'une manière différente de celle d'Al-Qaïda, qui se rapproche en l'occurrence de ce qui deviendra Daesh. Est-ce que je vous résume correctement ? Oui, c'est, si l'on peut dire, puisqu'il y a sans doute ici un certain nombre d'anciens gauchistes, c'est Gilles Deleuze contre Lénine, s'il faut. Quand j'ai dit ça, j'imagine que le malheureux Deleuze va se retourner dans sa tombe. Ouais, pour être plus exact encore, un mélange de trotskisme. Un mélange de trotskisme et de Deleuze. Hein. Ah, c'est pour ça que ce texte m'a intéressé, ancien trotskiste. Mais relapse, ça va se faire pour l'apostat. Et oui, alors, il y a ça, bien sûr, qui joue un rôle important. C'est-à-dire que ce livre est bâti essentiellement sur l'analyse d'une décennie, 2005-2015. On avait pensé l'appeler au départ 10 ans qui ont bouleversé la France. C'était un décalque du 10 days that shook the world de. Comment s'appelle-t-il John Reed. Voilà, John Reed. Alors, voilà, comme on dit la classe. De John Reed, donc vous avez bien sûr. Sur la révolution d'octobre. Mais Olivier Salvatore, mon lecteur chez Gallimard, que je tiens à rendre hommage ici, après avoir lu le livre, m'a dit qu'en fait, ce que faisait ce livre, c'était rendre compte de ce phénomène, fournir justement l'explication, terme apparemment haï désormais dans notre République, et fournir la genèse. Donc pas que je me prenne. Dieu, vous avez bien compris, je suis athée, je le reste, je le programme, mais essayer de trouver l'enchaînement des causalités, la concaténation, les snades pour les arabisants de ce phénomène. Et ces 10 années, c'est ce que vous avez dit, Alexis, c'est-à-dire 2005, janvier 2005, c'est le moment où Abou Moussab al-Souri met en ligne 1600 pages d'un bouquin qui s'appelle « Appel à la résistance islamique mondiale » en arabe, « Da'wa al-Mukawama al-Islami al-Alamiya » qui va créer cette espèce de djihadisme réticulaire, ce djihadisme en essaim, si vous voulez, qui sera, d'une certaine façon, la troisième phase, la phase de l'aufhebung, du dépassement, de la contradiction, de la négation, d'une dialectique du djihadisme qui naît à partir de 1979 avec l'invasion soviétique en Afghanistan, première phase, au moment de l'affirmation, avec comme théoricien palestinien, frère musulman, qui s'appelle Ardan Azam, comme texte fondateur, un bouquin qui s'appelle en arabe, un petit bouquin, personne ne lit, mais que j'ai trouvé un jour à Kaboul, dans la bibliothèque de l'hôtel intercontinental ruiné, et qui s'appelait Ilhaq al-Qafila, c'est-à-dire compagne, suit, rejoint la caravane du djihad, et comme mode principal de propagation, alors ça maintenant c'est au musée de paléontologie, quelque chose qui s'appelait autrefois le fax. Et oui, il y a eu un truc qui s'appelait le fax. Et donc là, l'objectif c'est un djihad qui est payé par les pétromonarchies, trained and equipped, équipé, armé par la CIA,
et qui a pour but de faire tomber l'armée rouge qui a envahi l'Afghanistan et aussi d'allumer un contre-feu sunnite au chiisme khoméniste qui prétend à ce moment-là prendre, si vous voulez, l'ascendant sur le musulman du monde comme figure révolutionnaire. Ce djihadisme fonctionne assez bien puisque le 15 février 89, l'armée rouge quitte Kaboul, défaite. Alors, si vous permettez une anecdote, dans les amphis de culture générale qui sont la seule chose qu'on me laisse faire encore à Sciences Po aujourd'hui, parce que les études arabes ont été détruites dans cet établissement en décembre 2010 par feu Richard Descoings, c'est le moi Mohamed Bouazizi s'immole par le feu, ce qui montre la vision de nos hauts fonctionnaires exceptionnels. Pour le reste, vous lirez le livre Richie, enfant de la de Bolivari. Et le. Donc, vous êtes enfant de ça. Le grog a bien fonctionné. Oui, bravo. Bravo. Pas de raison. Je suis sur mon territoire. Territoire de la République qui n'est pas perdu. Contrairement à ce que disent certains. Et. Car ça, c'est une démarche pessimiste, la même, pas du tout pessimiste. Et donc, néanmoins, cette première phase du djihad va jusqu'à. C'est pour ça que c'est je parle juste de l'histoire, mais c'est intéressant. Va jusqu'en 97 en Algérie, quand un groupe hyper violent, qui est le GIA, finalement est mis, exclu de la société, y compris de ceux qui le soutenaient, parce qu'il commence à tuer tout le monde. Et il faut y penser parce que c'est, à mon sens, l'une des explications de ce qui se passe, chez nous le 13 novembre. À mon avis, c'est une hypothèse à vérifier, monsieur, ça va trop loin et ça va être un bon, la blague sur Sciences Po, qu'entre-temps j'ai oublié, c'est que généralement je demande aux étudiants que s'est-il passé le 15 février 89, c'est par l'armée rouge de Kaboul. Malheureux qui n'est pas né maintenant, regarde leurs chaussures, etc. Donc, et puis je dis, c'est normal que vous ne sachiez pas, puisque vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé le 14 février 89. C'est erreur, non pas dans l'Hexagone. Vous avez semé la terreur à Sciences Po, et dans Sciences Po. Et bon, il y a toujours une étudiante, depuis le mariage pour tous, éventuellement un étudiant aussi, qui dit, monsieur, c'était la Saint-Valentin. Je dis, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais, en rougissant, en gloussant, mais je dis, c'est vrai, mais c'est aussi le jour de la fatwa de Salman Rushdie, de Khomeini, pardon, contre Salman Rushdie. Parce que c'était un élément assez intéressant, parce que Khomeini a fait la fatwa la veille pour prendre toute l'attention médiatique. Et on ne s'est pas intéressé à l'événement le plus important qui était le lendemain. Parce que la géopolitique du monde change en ce moment-là. Bien sûr, le destin de Rushdie est intéressant, désastreux, ou comme on veut, mais la chose importante, c'est le 15. Mais on voit bien comment la machine médiatique cache le facteur de réalité. De même, le 11 septembre, c'est quelque chose qui bouffe les médias, mais qui ensuite, en réalité, ne va pas avoir d'impact véritable sur la mobilisation. Et ça, c'est ça qui va expliquer la troisième génération. Alors, donc, première génération, djihad territorial contre l'ennemi proche, ça échoue pour des raisons qui m'ont beaucoup fait penser au 13 novembre, en 97, avec quelqu'un d'ici. Ensuite, deuxième phase, la phase de la négation, si vous voulez, si on suit une bonne dialectique hegelienne, le moment où Ben Laden dit non, il faut faire le djihad contre l'ennemi lointain, contre l'Amérique, pour que les masses arabes n'aient plus peur de se révolter, parce que les laquais de l'impérialisme, les Moubarak, les Chadlis, etc., contre lesquels elles se battent, ont un maître faible qui n'est en réalité qu'un colosse au pied d'argile, puisqu'on peut taper les tours jumelles, le Pentagone, etc. Et effectivement, ça a un effet de sidération exceptionnelle, plus médiatique que réel, mais nous vivons dans le monde de la médiatisation. Là, c'est plus le fax, c'est la télé par satellite, c'est plus El Hab El Kafina, rejoint la caravane, mais c'est le texte de Zawahiri, Fossin, Tahfariyat El Nabi, cavalier sous la bannière du prophète, qui est le programme du 11 septembre, mais qui est diffusé à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est très peu diffusé. Et ça marche d'une certaine manière,
jihad déterritorialisé. Que peut faire le bombardement de l'OTAN sur un pays qui n'existe pas, qui n'a pas de capitale, sur un djihadistan, il n'y a pas de Moscou à bombarder. Mais néanmoins, du coup, ils n'arrivent pas à mobiliser. Ils essaient de mobiliser avec l'Irak, en réaction à l'invasion de l'Irak, mais ça ne se passe pas, parce que, au fond, les sunnites irakiens vont offrir l'asile à Al-Qaïda, à condition qu'on en fasse une guerre anti-chiite, et non pas une, principalement une guerre anti-occidentale. Et donc, le système ne fonctionne pas. Et c'est là qu'en 2005, Souri, qui était le gars des relations publiques de Ben Laden, hein, vous avez des images, certains sont parus en illustration de l'interview que j'ai donnée, c'était un roquin d'Alep, issu d'une très bonne famille, frère musulman, qui a étudié en France, donc notre université dont on dit tant de mal, le premier produit encore des théoriciens de djihadistes. Oui, après, produit Pol Pot, etc., produit aussi Souri, donc on a quand même encore un rayonnement. Vous allez encore vous faire des amis. Hein. Oui, c'est pour ça que je suis contre le fait que à Sciences Po, le slogan soit aujourd'hui « No need to speak French to study at Sciences Po ». On peut encore faire des types formidables en langue française. Des fois, les millions ont tenu à faire ça en place. Et donc, on a ce gars qui construit ça, cette troisième phase, ce dépassement, si vous voulez, à partir d'une mise en perspective des échecs de la phase 1 et de la phase 2. Ce djihadisme, effectivement, est très efficace parce que les services de renseignement ne le prennent pas du tout au sérieux. Il a passé sous leur radar. Les services sont hiérarchisés et les services français ont été excellents puisque entre 1995, c'est-à-dire la mort de Khaled Khalkhal à la Maison Blanche dans la banlieue lyonnaise, et 2012, l'affaire Mera, il n'y a rien en France. Tout est arrêté dans l'œuf, étouffé dans l'œuf. Et peut-être parce qu'ils sont endormis sur leur laurier, ils n'ont pas pris au sérieux cette histoire de djihad par le bas. J'ai même une anecdote étonnante. Le livre de Souri était tout de suite traduit, 1600 pages, tout de suite traduit en anglais par une agence liée à la CIA. Et un jour, je me trouve à Londres, au Foreign Office, la diplomatie britannique a une dimension beaucoup plus extensive que la diplomatie française. Donc vous savez de tout, des universitaires, des espions, c'est le plus intéressant d'ailleurs, que notre pauvre diplomatie, comme vous savez, a bouffé son chapeau pour la Syrie. Et je parle à un des gars qui est là, de Souri, je dis qu'ils sont français, et il me dit « It does not work ». Ça ne marche pas, c'est comme la « just like blue it », c'est-à-dire comme la blue it chez vous, et vous avez des gars du FLN qui étaient arrêtés par l'armée française, puis libérés très rapidement et renvoyés au maquis. Terreur au maquis cette fois-ci, et ils étaient tous exécutés. D'où les autres exécutés, ceux qui devaient s'exécuter, et ça a donné cette situation où le FLN a failli y passer. Cela étant, ils ont gagné à leur manière, mais avec du reste la tendance la plus militariste. Et ça n'est pas pris au sérieux. Pas pris au sérieux parce qu'ils ratent cette révolution. Pourtant, il y a encore, vous allez croire, je suis obsédé par la Saint-Valentin, il y a encore une autre Saint-Valentin très importante dans cette histoire, qui est celle de 2005. 14 février 2005, que se passe-t-il? Si vous regardez vos chaussures, il y a une chose importante pour notre sujet, mais ce n'est pas la question, qui est l'assassinat de Rafik Hariri. Et une autre beaucoup plus importante, c'est le jour où YouTube est enregistré au registre du commerce de Californie. Et donc, janvier, Souri, 15 jours plus tard, ou je crois exactement quel jour c'est mis en ligne, YouTube, ce qui veut dire que là, vous allez avoir les moyens concrets que le système réticulaire par le bas fonctionne, sinon ça ne marchait pas. Et les services ne le comprennent, ne l'anticipent pas, ne le comprennent pas. C'est-à-dire, vous avez le voleur qui est bien avant le gendarme. Et le fonctionnement en essaim, c'est quelque chose qui est aujourd'hui la base de l'entreprise 3G, justement, de la Silicon Valley. C'est pas comme ça qu'on fonctionne pas dans la Silicon Valley avec une hiérarchie qui mange des initiatives, qui oblige à reporter, qui est toujours ordre et contre-ordre. Et ça, c'est tout à fait fascinant, c'est-à-dire la manière dont ce type de mouvement
a réussi à s'inscrire dans une sorte d'hypermodernité, d'où son accès aux jeunes, etc. D'où, après, ensuite, vous avez YouTube et Twitter, on n'en parlera pas. Donc ça, c'est le premier élément. C'est très important de le comprendre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi ça se passe surtout en France. Qu'est-ce qui fait que la France est devenue, nous qui n'exportons plus grand-chose, nous sommes le premier exporteur de djihadistes. C'est quand même quelque chose bien en chiffres absolus. Hein. Les Belges sont meilleurs en chiffres relatifs. Et pourtant, les deux pays sont très différents. Nous sommes jacobins, centralisés. Nous avons inventé cette chose extraordinaire qu'est l'ENA, que le monde entier nous envie. Alors que les Belges, eux, c'est un millefeuille, il y a 15 niveaux de responsabilité. Les Flamands ne parlent plus aux Wallons qui ne parlent plus aux Flamands. Et j'étais à Molenbeek l'autre jour, capitale du djihad mondial, donc désormais. Et avant à Skarbek, tout est en Turc, il n'y a plus les noms. Les rues qui sont en néerlandais et en français. Et à Molenbeek, aussi, on est dans un autre univers. Vous avez une juxtaposition communautaire qui est justifiée par les juxtapositions communautaires de la société. Il n'y a plus de modèle belge. Il y a Flamand, Wallon, Bruxelles, Molenbeek. Ici, c'est le contraire. Ici, on a un système pyramidal qui est très peu inclusif, avec une coupure qui s'est accrue et qui, à mon avis, va être la révolution de 2016. Entre la classe politique et la société. Avant de fermer le portable tout à l'heure, j'ai vu l'alerte de Libération, appel pour une primaire à gauche. Appel pour une primaire à gauche, c'est pas très compliqué de savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire on veut plus de Hollande. Et il y en a quelque chose qui me semble très important parce que 2015, par-delà son horreur, inqualifiable qu'il ne s'agit pas d'excuser, même s'il faut l'expliquer, a pour objectif, peut-être pour conséquence, de nous obliger à repenser ce qui se passe dans la société française et de la transformer. Nous sommes quand même aussi le seul pays qui n'a pas redémarré avec un pétrole qui, aujourd'hui, l'année dernière, 5% du PIB mondial allait au pétrole. Aujourd'hui, 2,5%. Taux d'intérêt à zéro, ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'y a aucune confiance dans l'avenir. Tous les pays européens ont démarré, pas nous. À ce moment de fracturation intense, de triste mémoire, hein, qui est celui des émeutes, qui ont été aussi un peu montées en épingle par tout un tas de phénomènes que vous rappellerez, mais qui, d'une certaine manière, installent un terreau assez favorable à ce qui va devenir plus tard une des sources du djihadisme à la française. Exactement. Alors, parce que, donc, vous avez réparti les rôles de manière merveilleuse, donc, Alexis à l'international, à Paris de l'international, et l'homme de terrain du l'Est parisien, lui, nous ramène. Pardon. Effectivement, il y a deux, en fait, là, je commence à venir, c'est un peu compliqué, en fait, il y a deux dialectiques qui fonctionnent, celle du djihadisme et celle de l'islam de France, qui ne sont pas nécessairement liées l'une à l'autre, l'une ne découle pas de l'autre, mais en 2005, il y a deux phénomènes de troisième génération qui vont percoler. Revenons sur l'islam de France. Vous avez là aussi trois générations. Première génération, celle que j'appelle, ou je vais identifier comme telle, surtout dans les livres précédents, avec notamment avec 93, la génération des darons, c'est-à-dire
Les darons, vous savez ce que ça veut dire. Qui ne sait pas. C'est mon côté pédago, c'est dommage qu'on m'a foutu à la porte de Sciences Po, parce que j'ai encore des capacités de... Et surtout en ce moment. Donc, daron, c'est un terme, en fait, c'est pas comme toubib ou kleps, hein, c'est pas un mot qui vient du dialecte nord-africain. C'est un vieux mot français, et du reste, le terme est utilisé par Victor Hugo dans Les Misérables. Victor Hugo qui a été lu ce matin, et qui garde, me semble-t-il, une force extraordinaire pour nous permettre de penser la société, et peut-être pas dans le sens qui a été fait ce matin. Et le daron, donc, c'est les pères, mais on appelle aussi les offrés, c'est-à-dire les ouvriers en dialecte, ou les sonacles, la sonacotra, les pères de famille maghrébins qui sont venus travailler pour reconstruire la France, dont certains ont eu des familles et des enfants, d'autres non, sont repartis. Et ce sont eux qui vont être, d'une certaine manière, en charge de l'islam qu'on appelait pas du tout de France à l'époque, mais en France jusqu'en 89. Puisque, et là c'est quelque chose qui est le prélude de ce que j'ai appelé ensuite le ressac rétro-colonial, car Mohamed Merah a quand même tué les enfants de l'école Rosa à Tora à Toulouse le 19 mars 2012. C'était certes le début de la campagne présidentielle, mais c'est aussi le 50e anniversaire jour pour jour de la mise en œuvre des accords d'Évian. Et il y a plus de 500 odonymes, de 500 noms de rues, rue du 19 mars 62 ans. Ça veut dire le retour du contingent. Trivialement, si vous me le permettez, c'est rue Laquille Bordel. Mais ces mêmes rues sont débaptisées aujourd'hui par le Front National. À Béziers, Ménard et à Beaucaire-Sanchez, tous deux d'ailleurs issus de familles pied-noir, débaptisent ces rues comme symbole d'indignité nationale, si je puis toucher un autre débat qui me tient à cœur aujourd'hui, parce que c'est une défaite honteuse de la France et qu'il ne faut pas célébrer comme telle. Merah lui-même ne savait peut-être même pas ce qu'il faisait ce jour-là, mais c'est très intéressant parce que, si vous voulez, l'une des raisons pour lesquelles la France est tellement touchée par le phénomène, c'est que c'est un phénomène qui va rencontrer une grande partie de l'impensé rétro-colonial. Le frère Merah, Abdelrani, celui qui n'était pas d'accord avec le reste de sa famille et qui a écrit, raconte la haine viscérale de la France dans laquelle cette famille a grandi, du père dealer jusqu'à la mère et la sœur fière. Sohad Merah, qui, comme vous le savez, touche 2 500 € d'allocation familiale, comme mère isolée de 4 enfants, 2 d'un dealer et 2 d'un djihadiste, c'est-à-dire le salaire de l'un de mes collègues professeurs d'université à Paris 3, aujourd'hui à quelques dizaines d'euros près. Ça aussi, c'est une France qui me semble ne pas aller bien. Et je ne sais pas, tu l'as invoqué, disons ceci, je pense à la réalité. Et, on avait bien compris. Non, je n'ai rien contre. Donc ce phénomène, jusqu'en 89, c'est les darons. Un islam qui ne veut pas être de France, pour cette raison que vous avez écrit, parce que la France, c'est l'apostasie. C'est le drapeau tricolore de l'oppression coloniale, entre guillemets, et c'est, à l'époque, c'est l'association des musulmans de la Bastille, de ce que vous voulez, de Lyon. Ça n'est pas de France, parce que France est symbole de coffre d'impiété. Et puis en 80, pendant ça, le gouvernement français gère ça grâce au réseau des amicales, des pays étrangers. Et Gaston Defer, ministre de l'Intérieur du premier Tontonnat, maire de Marseille, ville la plus algérienne de France, donc afferme à Alger la gestion de l'islam de France. Bon, il y avait un centre de porteurs de valises FLN, hein, pas Mitterrand lui-même, comme vous le savez, mais dans l'entourage du système grenouilloïde du Parti Socialiste. Au Defer, je ne suis pas sûr que lui-même. Enfin, il y en a. Et donc, il trouve. Et l'idée, c'était finalement qu'il soit reconnaissant. Qu'est-ce qui se passe pendant la première cohabitation, Chirac, premier ministre, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur et des Cultes,
et reçu quelques jours avant l'élection présidentielle de 1988, en grand uniforme de ministre de l'Intérieur et des Cultes, par Cheikh Abbas, recteur algérien et nommé par Alger de l'Institut musulman à la mosquée de Paris. Et ce geste est très clair. Alger indique le bon choix de Giscard pour les Algériens de France, c'est-à-dire voter Chirac. Ce qui, évidemment, ne fait pas plaisir à celui qui est réélu en 88 et qui aura été réélu notamment à travers la manipulation de la marge du beurre. Et ça, je crois que c'est l'un de... On peut considérer que c'est formidable ou que c'est l'un des péchés fondateurs originels du mitterrandisme et qui suit aujourd'hui les gens qui s'en réclament, à savoir que quand les beurres... Alors, il est interdit de parler de marge des beurres dans la discussion politiquement correcte, c'est marche pour l'égalité et contre le racisme. Ça, il y en a eu des millions. C'est peut-être ça, mais de marge de beurre, il n'y en a eu qu'une. Et elle exprime, et puis c'est surtout comme ça qu'elle s'est appelée. Bien sûr, oui. Enfin, que les journalistes l'ont appelé, parce que le terme beurre, ensuite, est galvaudé et est devenu un gadget. Donc ceux qui ont eu le sentiment d'être désignés comme des bêtes de foire en tant que tels ont refusé ce terme qui, pourtant, est celui qui avait été produit lui-même par un processus langagier très intéressant qui est ce double verlan, c'est-à-dire arabe se dit rebeu. Parce que, comme vous le savez, l'arabe de France, le dialecte nord-africain est très marqué par le berbère, qui a tendance à raser les voyelles sur le E, comme ça. Donc c'est arabo-rebeu, et retourné en beurre. Beurre, aujourd'hui, est interdit, personne n'ose le dire, alors que rebeu, au contraire, on peut se dire rebeu. Ça n'est pas haram, ce soit. Ou not kosher. Et donc, le Mitterrand les accueille. Ils sont partis de la Busserine à Marseille, montés jusqu'à Roubaix. C'est une sorte de procession. Ça, j'ai écrit ça dans Passion française. Ça a fait froncer le beau sourcil des journalistes de l'Observateur. Comment pouvez-vous dire que c'est la procession de la France algérienne? Vous êtes un raciste et un colonialiste. Non, pas du tout. Il n'y a plus d'Algérie française. Et il y a une procession qui marque le territoire de la France dans laquelle une colonie algérienne, c'est pas moi, hein, c'est Abdelmalek Sayad, qui ne peut pas être soupçonné, je sais pas, qui introuve ce terme, qui monte, qui suit exactement ces territoires, de Marseille au Roubaix en passant par la vallée du Rhône, et qui arrive, pour présenter ses doléances, chez qui François Mitterrand, ci-devant ministre de l'Intérieur durant la guerre d'Algérie, qui, après la Toussaint Rouge, a dit avec le FLN, la seule négociation, c'est la guerre. Et avec les enfants du FLN, la seule négociation, c'est la ruse. C'est SOS, c'est les concerts. Et c'est surtout en 86, la proportionnelle, qui sauve la mise au PS, mais qui du coup fait monter le Front National à l'Assemblée. Cristallisation sur ces jeunes gens qui demandaient à entrer en politique et qu'on dit vous ne représentez pas grand-chose, amusez-vous au concert. Et en fait, ce qui va servir à cristalliser l'obsession nationale sur ce phénomène, faire monter le Front National. Ça casse la droite, et Mitterrand est... Alors justement, avant qu'on continue à vous interroger sur le moment présent, puisqu'on récapitule 30 années d'aveuglement au fond de démission du gouvernement. Non, c'est pas du tout de l'aveuglement. Il y a plusieurs choses. Il y avait de l'aveuglement, démission du corps public, cynisme, donc dans le cas que vous évoquez à l'instant. Est-ce qu'au fond, de Mitterrand à Sarkozy, au fond, ce qui a péché dans les politiques publiques, c'est les concessions au communautarisme et peut-être aussi au droit à la différence, maquillé sous des termes différents. Mais au fond, tout ça procède de l'idée qu'il y avait un droit à la différence qu'il fallait exalter au détriment de l'intégration républicaine, si on résume à grands traits. Ça dépend, pas forcément, non, parce que le débat a été très vif entre différentes composantes de la gauche et de la droite. Mais je crois surtout qu'il y a eu le sentiment en termes de justement politicien, qu'il y avait là une opportunité. Les questions de l'immigration et la question du Front National, j'ai cette image dans le livre, on peut les penser un peu en termes de billard français, c'est-à-dire c'est la boule blanche sur laquelle on tape et qui percute la boule rouge, la carambole, qui est celle qui marque les points. D'ailleurs, vous avez, on peut ouvrir une parenthèse, mais vous allez vous en expliquer, vous avez récemment, dans une émission de flux de BFM, déclenché une polémique, l'animateur surtout, qui est
Jean-Luc Bourdin a déclenché une polémique. Jean-Pierre Bourdin a déclenché une polémique justement en vous questionnant sur ce parallèle passionnant que vous faites entre... Cette congruence, qui n'est donc pas... Vous ne tracez pas un signe d'égalité, mais vous interrogez sur la congruence, voire, disons, allez, on va dire, les effets en miroir, peut-être, hein, du salafisme, voire du djihadisme, et du vote pour le Front National. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, sur cette thèse qui est au cœur du livre « Terreur dans l'Hexagone » Pas en ces termes. Je n'ai pas dit que le Front National, c'était le djihad et vice-versa. Vous n'avez pas dit ça. Non, vous n'avez pas dit ça. Je n'ai pas du tout écrit, et j'ai remarqué surtout la congruence. Je vais revenir à une dimension technique de ce faire. Je suis très fier d'avoir mis un mot que personne ne connaît, quasiment. Enfin, dans le cadre de la politique... On a tous du mal à définir. Voilà, et je vais vous l'expliquer, ça va être rapide, pas sûr. Et donc, à tel point qu'un journaliste, dont nous dévoilons le nom, me dit, alors qu'est-ce que c'est que ce mot que vous avez dit, congruité? Je dis, non, c'est incongruité. Donc, vous voulez dire que j'étais incongru, peut-être. Donc, j'ai essayé, en particulier, ce qui m'a beaucoup frappé. Si vous voulez, j'essaye de faire plusieurs choses à la fois. L'une, c'est d'aller sur le terrain. Et ça fait 30 ans, j'ai 60 balais cette année, je suis un vieux bonhomme, chargé d'honneur ou d'avanie, comme vous le voulez, je pourrais rester dans mon coin. Je pense qu'on ne peut pas écrire quelque chose, avoir la prétention de participer comme je le fais aujourd'hui au débat public, en étant enfermé dans sa chambre. L'un de mes collègues, celui qui gagne à peine plus que Madame Meira, m'a dit que j'aime beaucoup, m'a dit un jour, après avoir lu mon livre Terreur dans l'Hexagone, où je faisais Terreur et Martyr pendant 2008, où j'analysais les émeutes de 2005 en présentant ça comme un élément d'exclusion, mais j'avais mis les pieds à Clichy-Montfermeil. Il m'a dit, j'habite au quartier latin, ça c'est Clichy-Montfermeil vu du quartier latin. Ça m'a piqué, il avait raison. Et du coup, j'ai passé un an à Clichy-Montfermeil. Ouais, comme j'ai beau revendiquer l'athéisme militant, les racines catholiques peut-être, me pousse à l'autoflagellation. Et donc, toujours est-il que Clichy-Montfermeil, ça a été l'expérience la plus extraordinaire de ma vie. Si vous voulez, parce que j'ai eu l'impression, je n'aurais jamais pu écrire ce livre si je n'étais pas allé à Clichy-Montfermeil, ni si je n'avais pas parcouru le monde arabe. L'idée, c'est de faire la crase, parce que je ne veux pas dire ça, la BFM, c'était le mix, le mélange entre les deux. Mais j'ai été très frappé, donc j'aime bien faire ça, et j'aime aussi lire les textes. Moi, je suis un homme de littérature, j'aime les textes, j'aime les langues. Quand je parle du salafisme, je sais de quoi je parle, j'ai lu les textes en arabe. Quand j'entends les conneries des Liogiers et autres, avec qui je vais me friter chez Fionkel Kraut, je pense, le mois prochain, qui expliquent que le salafisme, c'est le rempart contre le djihadisme, bon, je le préviens à l'avance, s'il écoute, je vais lui demander que nous ayons un débat en arabe. Et il ne pourra pas suivre, parce qu'il ne connaît pas un mot d'arabe. Pareil pour Olivier Roy, qui nous fascine avec cette espèce de doxa aujourd'hui, qui plaît à la rédaction du Monde, du New York Times, du Financial Times. Il n'y a pas d'islamisation, là, ça ne parle pas d'islam, c'est juste l'islamisation, la radicalisation sont des phénomènes que nous connaissions bien sûr déjà tous. Qu'est-ce qui va nous emmerder avec les trois générations du djihadisme? Ça n'existe pas. Oui, c'est facile, quand on ne travaille pas, quand ça fait 30 ans, on a foutu les pieds sur le terrain. Il n'est pas Florence, je m'en réjouis pour lui, c'est très bien. Et quand on ne connaît pas un mot d'arabe, comment est-ce qu'on peut oser parler de ce type de phénomène? C'est exactement la doxa. La doxa qui s'oppose au travail. C'est l'opinion qui, en plus, conforte les paresseux dans l'auto-satisfaction de leur paresse. Qu'ils aillent à Clichy et qu'ils se tapent les textes salafistes. Ensuite, on parle. Mais moi, j'ai l'âge maintenant de dire merde à ce genre de conneries. Ça n'est plus possible. Je ne veux plus. Je ne suis pas là-dessus. Je m'en fiche d'avoir des réactions violentes. Et qu'est-ce que je fasse? J'ai 60 ans, comme j'ai déjà dit. Quel intérêt d'autre puis-je avoir que, dans ces choses-là, de rechercher l'expression, je pense à dire l'explication, parce qu'apparemment ce n'est plus halal, mais vous avez une idée. C'est ça qui est important. Et qu'est-ce que je fais dans ce livre? Je vais regarder en détail une vidéo
qui est présent dans quasiment toutes les procédures de gars qui partent, de filles aussi qui partent au djihad, qui s'appelle 19HH, Histoire d'humanité, produite par un Sénégalais de Nice, Omar Hansen, mort au djihad cet été, et qui explique, qui reconstruit une sorte une jeunesse, justement, une création du monde. Alors, bien sûr, créationniste, hein, surtout pas assez évolutionniste, Darwin, bête-moi, et qui aboutit, donc on est dans l'obscurité, jusqu'à l'éveil, terme soralien, l'éveil des éveillés, terme de la main d'or, dans l'homme des éveillés, et l'éveil, c'est le 11 septembre. Et là, qui montre qu'on peut remettre le monde debout, dans la vérité s'est entendue. Et alors après, il y a deux choses différentes, il y a ce qu'on appelle les mauvais, les salafis, les talafis, comme on les appelle en arabe. Talaf, ça veut dire dégradation, mort, etc. Et puis les djihadistes. Donc, à la dernière ligne, c'est la même. Il y a juste un embranchement qui est le mauvais choix, c'est les salafis. Et puis, après, je regarde Soral. Je le connaissais depuis un certain temps déjà, parce que dans Passion française, je me suis beaucoup investi dans ces histoires d'extrême droite. Pour moi, c'était beaucoup plus exotique que les salafs, hein, d'aller voir les candidats frontistes aux oraliens aux élections. Et en fait, je remarque donc la congruence parfaite entre ce qu'on peut voir dans la littérature djihadiste et ce qu'on peut voir dans les vidéos, pardon, la littérature, où personne ne lit rien, sauf qui vont en Brest, et tout le monde regarde les vidéos, les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que ça veut dire congruence? C'est un terme qui est aussi présent en mathématiques et en physique, mais je ne connais rien, je fais un bac littéraire. Qu'est-ce qui est important là? C'est que, pour nous, cette dimension littéraire, ça veut dire que ce sont des schémas narratifs qui sont partiellement homothétiques. Un coup, on respire, ça veut dire que la construction du récit est homothétique, c'est-à-dire, c'est plus que semblable. Elle s'adapte au fur et à mesure selon les outils. Voilà, et elle est construite selon des schèmes, sont des schèmes qui se ressemblent, qui fonctionnent selon les mêmes mécanismes. Donc c'est ça, c'est là qu'il y a l'idée de la congruence. Alors après que Jean-Jacques Bourdin, c'est son métier de journaliste, ait poussé la comparaison en me demandant est-ce que, en gros, Daesh et le Front National, c'est kiff-kiff pour ce qui se évidemment, mais enfin, ça a fait ce livre, et du coup, un effet disjoncteur, parce que ça a hystérisé Madame Le Pen, qui était peut-être down à la suite des élections, je ne sais pas. Mais et ce qu'elle a fait, en tout cas, valide votre thèse de la congruence, hein, c'est-à-dire de republier sur son propre compte pour dire, je suis pas. Des photos d'exécution produites par la propagande de l'État islamique, valide la thèse de la congruence, c'est-à-dire au fond du schème, puisque là vous parlez des schèmes discursifs en miroir, d'une grammaire semblable. Est-ce que cette grammaire, justement pour avancer dans la discussion, c'est celle du choc des civilisations poussé à son paroxysme? Non, parce que au fond, ça fonctionne d'une manière. Le choc des civilisations, ça veut dire que l'autre est le barbare. Qui fonctionne d'une manière complètement différente. Or là, on a des types de réflexes. Ce qui m'a frappé, c'est effectivement, c'est quand même très compliqué de penser qu'on puisse se présenter à la présidence de la République en tweetant des photos d'exécution, même si c'est pour dire c'est pas moi. Je retrouve, au début, c'était une histoire étonnante. Au début, le front a attaqué Bourdin beaucoup, et un journaliste a demandé pourquoi vous n'attaquez pas Kepel. Non, non, c'est pour là. Puis après, ça a changé. Philippot, attaquer le malheureux professeur. Bon, peut-être parce que lui-même étant énarque, s'est senti visé davantage par la critique de l'ENA que par celle de Bouddha. Allahu a'lam. C'est le seul Dieu que nous sachons. Bon. Et il se trouve que, sortant du maquillage, qui est le lieu dans lequel se fait le débat, aujourd'hui, sortant du maquillage de BFM, sous la porte, se fiche donc Philippot. Monsieur Capel. Je dis, ah, monsieur Philippot. Alors, il paraît que vous m'attaquez sans me lire. J'ai pas besoin de vous lire, je vous ai entendu. Je lui dis, mais vous devriez lire. Pourtant, à l'ENA, je crois qu'on devrait vous apprendre à lire. Vous avez devant vous un cadre de Daesh. Je lui dis, mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Lisez-moi, je suis prêt à débattre avec vous, mais à condition que vous ayez lu. C'était
tuteur de cours préparatoire. Non, j'ai aucune envie de débattre avec vous. Évidemment, j'ai pensé raconter cette histoire ensuite. Et on voit là la limite, si vous voulez, de ce type de phénomène. Mais je voudrais revenir à cette histoire de l'islam de France, qui me semble un peu plus importante qu'anecdote, même si ça nous détend un peu, dans ce jour de pseudo-commémoration. La deuxième génération. Donc, Pierre Jox devient ministre de l'Intérieur du second tontonnat. Évidemment, ils ont l'Algérie en ligne de mire, hein, qui les a trahis. On est en 88, hein. Oui, c'est ça. Et il va créer quelque chose qui s'appellera le CORIF. On sait de... CORIF, ça fait penser à quelque chose. Hein. C'est une autre religion, c'est mythique, etc. Qui n'aime pas non plus manger du louf. Et, et donc, mais c'est pas le même air. Hein. C'est pas représentatif. Il ne s'agit pas de représenter les musulmans. Mais de réfléchir. Conseil de réflexion sur l'islam de France. Déjà. Et qui aboutira, après divers retards, au CFCM de Sarkozy, chose moribonde, qui aujourd'hui, toujours, et qui se survit. Et dans cette perspective, donc l'État veut cesser d'affirmer à des États étrangers la gestion et va chercher l'émergence d'un islam français. Ça n'intéresse personne. Les enfants des darons qui savent faire quelque chose cherchent à être informaticiens, professeurs, entrepreneurs, tout ce que vous voulez, mais pas tout à gérer l'islam de France. Ce que ça va intéresser, c'est les frères musulmans, les dards, c'est-à-dire venus d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Maghreb, du Moyen-Orient, etc., et qui vont s'emparer de ces instances et s'en servir pour construire une communauté dont ils se font les représentants par rapport à l'État. Et d'enfermer la diversité de la population d'origine musulmane dans une communauté dont ils veulent être les porte-parole et qu'ils vont définir de manière religieuse. Et contrairement aux salafistes, ce que font les salafistes, ils ne sont pas dans une rupture culturelle de base, mais plutôt dans la constitution d'un espace politique sur une base religieuse qu'ils vont dealer. Ce que finalement Sarkozy trouvera formidable. En 2003, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, va au congrès de l'UOR avec comme irritant le voile. Là encore, dans la phase 1, l'enjeu, c'est la construction des mosquées. Dans la phase 2, ce problème est en train de se régler parce que les gens commencent à devenir français et votent. Donc un maire, et maire, ça s'est compté. Quand il n'y a aucun musulman qui vote, c'est pas de mosquée. Et quand il commence à voter, il y a besoin des mosquées. D'ailleurs, la première ville où il y a eu vraiment une mosquée qui tenait un enjeu municipal, c'est Roubaix. Parce qu'une très grande quantité des musulmans de Roubaix sont harkis. Et André Diligent a raflé la mairie aux socialistes en promettant la mosquée que les socialistes ne voulaient pas leur donner parce que pour eux, harkis égale fasciste. Et aujourd'hui, les enfants de harkis sont les patrons des mosquées salafistes les plus hard de Roubaix, puisqu'ils se sont fait traiter de tout toute leur vie par des enfants du FLN qui, bière à la main, binge en main, comme on dit dans le Nord, on dit salaud traître, les gars maintenant débarquent jusqu'ici et la Janava course, ils leur disent salaud apostat. Donc, ça, c'est une histoire intéressante aussi parce qu'on voit même la construction sociale de ces choses-là qui correspond aussi à d'autres aspects. Et Sarko, en 2003, va au congrès de l'UIF, comme ministre de l'Intérieur, leur dit je viens d'ici en ami, sous-entendu, votez pour moi, car entre conservateurs, nous pouvons nous entendre, entre buissonniers. Et bon, ça, à l'époque, il n'était pas encore. Hein, encore on être équitable à ce débat. Non, mais entre futur buissonnier. Voilà. Buissonnier, avant même d'être buissonnier. Et simplement, il se fait siffler. C'est plus compliqué de manipuler le religieux que ce qu'il croyait. Il se fait siffler quand il dit que la carte d'identité, les photos doivent être nues. Cette affaire dure à peu près, avec le voile comme irritant majeur, ça finit avec la commission Stasi, dont votre serviteur était membre, et avec les émeutes de 2005, où l'UOIF fait une fatwa, probablement sur ma demande, disant que c'était haram de brûler les voitures, etc.
le jour où cette fatwa apparaît, c'est le pic du nombre de voitures brûlées dans les Hexagone, ou filles blessées. Hein. Ce qui indique qu'ils ont perdu le contact. Et la troisième génération, justement, là, c'est 2005. C'est la même année. Donc, je ne dis pas du tout que les émeutes sont la conséquence d'instructions données par Al-Qaïda. Ça, c'est expliqué le Likoud et les néoconservateurs américains à l'époque. Pas du tout. Mais vous avez les deux phénomènes percolent au même moment, voyez. Et les émeutes vont faire émerger une nouvelle génération qui va prendre le lead sur l'islam de France, qui est la génération des enfants des darons, les jeunes. Car les blédards n'étaient pas les enfants des darons, c'était des frères, musulmans, âgés. Et le conflit entre blédards et rebeux, justement, dans l'islam de France, est structurant. Aujourd'hui, à mon avis, les rebeux ont gagné, ou sont en train de gagner, contre les blédards. Vous avez du reste un certain... C'est assez intéressant, c'est un peu comme les sortes d'Annie Kriegel, si j'ose dire, islamistes qui commencent à émerger aujourd'hui. Il y a eu Farid Abdelkrim, donc lui est chanteur dans ce niveau de Johnny Hallyday, peut-être, de l'islamisme. Mais il y en a un plus intéressant, Mohamed Bouazi, qui est ingénieur, qui était le patron des étudiants musulmans de France, qui vient publier un livre chez Michel Mont, je ne sais pas si vous avez reçu. Très intéressant parce que lui, c'était un cadre intellectuel des islamistes en France et qui déconstruit tout le système, la langue de Bostra, et c'est un côté, si vous voulez, enfin, toutes choses égales par ailleurs, Annie Kriegel, ancienne membre du Parti communiste, expliquant comment ça fonctionnait. Ce qui est un signe que le mouvement aujourd'hui va mal, si vous voulez, parce que quand on a les anciens cadres qui sortent et qui dénoncent là, et le salafisme, c'est autre chose, c'est un système donc, qui est basé sur l'obédience absolue à l'Arabie Saoudite, qui est en fait le blanchiment intellectuel de la vente du pétrole aux Occidentaux, hein, si vous voulez, et qui justifie le fait qu'on garde l'argent de la rente pour soi, rente d'ailleurs qui est en mauvais état, puisque aujourd'hui, il n'y a plus que 2,5% du PIB mondial qui va dans le pétrole, contre 5% l'année dernière. Donc, je pense qu'on est en vue de turbulence grave. Je termine, je vous vois inquiet. Vous savez, je suis professeur, c'est difficile. Je suis habitué à avoir des... Vous voyez, on voyait sur la droite note. Hein, donc, le salafisme apparaît en 2005 à un moment, justement, où après les émeutes, enfin, il est déjà présent, mais il pense à la France, hein, vous avez d'un côté inscription massive sur les listes électorales, participation aux élections, c'est 2012 que j'ai une présentation française, 400 candidats issus d'immigration, en grande partie algérienne, ce qui pose toutes sortes de problèmes, c'est-à-dire comment est-ce que les enfants de gens qui ont battu, sont battus, qui ont tué ou qui ont été tués pour ne plus être français, désormais se présentent pour incarner la souveraineté du peuple français. Et si vous regardez Passion française, il y a toutes sortes de discours de légitimation de cette action qui sont tout à fait intéressants, qui montrent, à mon avis, la faille et la catastrophe qu'est l'incapacité que nous avons eue de mettre à plat l'histoire coloniale. Et ce retour du refoulé, c'est Mérat, si vous voulez, à mon sens. C'est ainsi que je l'interprète. Quoique Mérat lui-même ait eu dans la tête, c'est probablement pas grand-chose, mais suffisamment malin, qui a suffisamment de vice, comme on dit à Alger, de vice et de tournevis, pour pouvoir pousser le... Je sais parler le langage de mes interlocuteurs. Pour pouvoir blouser les flics, qui ont quand même essayé jusqu'à la dernière minute, je voulais le recruter comme informateur. Donc je me tape ce qu'il faut.